Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue sur Aerotech TV. Il était prévu qu'on fasse notre rentrée le 9 septembre dernier, mais bon, les aléas de la vie, les travaux dans notre nouveau studio ne nous ont pas permis d'être vraiment dans le timing. Tout démarre aujourd'hui, samedi 15 septembre 2018, avec la politique congolaise. Et aujourd'hui, il se pose pas mal de questions. On a vu pas plus tard que le 12 septembre dernier, nous avons vu les ténors de la politique congolaise réunis tous autour de la même table en Belgique pour discuter des questions relatives aux prochaines élections en RD Congo. Voilà. Pour parler de ce qui s'est passé à Bruxelles, bien invité pour vous, l'ambassadeur de l'UNC, qui est M. Robert Biongo. M. Robert Biongo est secrétaire fédéral UNC France. Donc, il remplace, comme je vous l'avais présenté, pour vous qui avez l'habitude de nous suivre la fois dernière lors de l'installation de son équipe, c'est-à-dire c'est lui qui a pris la place de M. Didier Mpiana. Bonjour M. Biongo. Bonjour M. Jean d'Aerotech. Voilà, et c'est un grand plaisir, puisqu'on voit souvent, je vous ai suivi la dernière fois en Belgique justement, puisque il y avait une journée, comment vous avez appelé ? Une journée politique. Hein. Une journée politique qui réunissait non seulement les ténors de l'UNC, donc dans la diaspora, mais aussi les ténors des autres partis politiques congolais. Et donc voilà, c'était la dernière rencontre, c'était à Bruxelles. Donc aujourd'hui, les choses ne sont pas arrêtées là, les choses continuent à évoluer. Dans le bon sens, on n'en sait rien. Dans le mauvais sens, on en parlera tout à l'heure. Tout en sachant que, comme on parle de la politique congolaise, d'aucuns voudraient que ce soit en Lingala. Malheureusement, pour ceux qui ne comprennent pas le Lingala, je suis obligé de parler en Lingala. Mbote mon amboka. Mbote à cœur de gros Jean. Alors, et c'est mon nom, pour nous, et qui est aux Awana diaspora, aux Bounde la Mboka. N'est-ce pas que le bango, na Mnoko, ya Mndele, que Yosali, secrétaire fédéral, ya UNC France, Awana na diaspora. Donc, aux en quelque sorte, représentant, ya Vital Kamere, Awana diaspora. Donc, bon, enfin, Awana France, pas la diaspora, puisque Nabiki Bas Fédéraux, Bazar, Bélé. Et donc, on a l'ingakité, na le kana miko, na château rouge, na le kana château d'eau, baïb sa ke non, bazaki na Bruxelles, ba on a bango bundi, ba on a bango, donc bazo kana ten nengezana, moukwa bimisi moutou moutou ba Hollanda ete, donc yan kazana, mais on y soit très bazar à Yuma. Mais na linga ki vraiment na ya na micro na invité na studio na sur toute façon yum to inaugurango ba travaux na no ça et là, mais bon na s'appelle quand même tout le bel amboka puisque mon bon comme que ne mbambang et tu as dit 3 mois et demi et donc il faut tout le bel amboka belé belé na anti to rozala za na oming to dérangeons ba les belé pour vraiment même bino bande ko au besoin de présenter ma partie mususu a na kata ndele na ko s'appelle vraiment que bon les kaka de manière à ce que to yeba vraiment ya solo puisque tant que balabal est besoin micro pour baloba l'écouter au léga trop, mais tant que outil n'a pas la bino ba politicien, tant que ce solo est besoin na ou solo ama na ba ténor na ba président na bino, il y a un moment pour na qui vraiment pour la lélo na solo na oyo afin na Vital Kamere oyo ba benga na ou ba liaka mesa moko aye bisabiso non seulement santé ya UNC mais aussi donc sa vision des choses pour l'avenir à Congo politiquement parlant évidemment. Alors moi Mboka nalinga kina ibayo santé ndengini. Santé très bien et ça plaisir à me casser ko bengisa ngai pour la loba pour na partie na ngai parce que vous aurez toujours une info ya balabala pour le côté info dans Château Rouge et vous divulguez bien au pendant la média et comme paye solo et comme paye solo singeli olika para une bouche autorisée pour vous paye ça yo aux aller pour les gars vous solo que la carte ya partie na biso yango kasi na pona ki yo mwana mboka ozali moko ya oyo balobela ka politique a mboka na biso non seulement pour la partie na yo non seulement pour la président Vital Kamere mais au lobaka aussi d'une manière générale puisque au touchaka oyo au lobi oyo positionné za boyé tout le monde a zoya madame té o wana msusu positionné za bien aza non seulement ko se marier na ba idée na biso mais aussi na ndengene ya lobela mboka izo mona na vuma ke ezadi d'une manière impartiale
azate que non azolo ba pouba mona ke ngaza na parti bo parti na ngam te leki mais azolo ba bo solo na oyo mboka na biso il faut za la lobby donc na moya lelo na ebi ete ba mingi ba holanda biso na o isika misusu ba ebiote to linga to ye ba puisque lelo pe ba belge ba komi belé ba français ba komi belé eza ma bété. Ils ont abêté na autono nationalité notre nation politique pour vos anani mais na ganaie un petit peu parcours na biographie nous ils en aient pour atbaye bah vraiment aux anani au bandi wapi et au commis secrétaire fédéral n'engeni donc voilà bon comme on l'a Robert Biango et ben team na revient à Roblex bon du coup là ensemble bah il vient là comme il y a Roblex on a collé dans la zone il y a Lemba comme je suis commis dans l'Emba, je suis allé dans le Nyosu na Congo pour continuer à avoir des formations ingénieurs électroniciens, parce que c'est une électronique industrielle. Je suis allé dans le Poto, je suis allé et puis la bande Moussa Lanaï, toujours dans le même domaine. Je suis allé technicien de réseau informatique, mais, 30 ans Mercedes et 2 ans il y a Audi. Il y a par ça. Dans l'activité, je suis dans la sécurité. Dans gérant, il y a une petite société à la sécurité. Donc, dans ces quatre, on a un cadre à titre professionnel. Et dans l'activité, dans le secrétaire général à INC France. Alors, secrétaire général à INC fédéral, pardon. Il y a INC France, parti Boni. Parti Otamola, Kitoko. Kitoko, il y a Kitoko. Donc, que ce soit à Kin ou à Awa. Et tant aux autres, c'est-à-dire adhérents. Ça veut dire que adhérents, par exemple, au Kota et Bélé. Au Monakibiso, Awa, le début du mois d'août, tout est dans le congrès de la Bisso. Et tu désignes qui te reconduire encore à M. Vital Kamere comme notre président. Et puis tu es pour que Akuka pour représenter Bisso dans la présidentielle. Mais congrès de Konazan, il y a un congrès, ils ont un budget colossal. Oui. Il y a un budget vraiment pour réunir les fonds, puisque il y a un budget qui est bon, il y a un budget. Mais peut-être que Nathan, il y a un congrès, alors, bon, il y a un budget qui n'est pas un budget. Sauf si bon, on a un budget, tu as comme moi doute. Est-ce que tu as un gambo sous ou bien un binoga? Moi, je suis un gambo sous. L'INC a quand même parti, mon gars, créé depuis 2010. Tout le monde a 7 ans de mes expériences. Il est parti étant mon gars, il a ma cotisation, il a ma don, il a ma activité sous le salaire. Il est temps, militant, il a cotisé. Tout le monde a tiré mon opinion. Et je propose encore un peu plus. Tout le monde a congrès, tu as lancé opération 10 $ pour mon congrès. 10 $ pour mon congrès, la BCO, on était surpris de lancer l'opération en mois de juillet. Entre mi-juillet et depuis le congrès de la BCO, on a totalisé facilement plus de 78 000 $. Ou un PC 10 euros, ou un PC 20 euros, ou un PC 2 000 euros, ou un PC 2 000 ou 3 000. Ensemble, la récolte, nous sommes là, il y a encore un mois. C'est ça qui est tout pour ça la congrès. Mais à part ça, tout d'un coup, c'est un bon, c'est ma réserve. Autre tiers à côté, dans la cotisation à membre de la mission. Est-ce que, bah alors, on a quatre congrès pour désigner Vital Kamere comme ou pour représenter nous la présidentielle. Oui. Est-ce que Baïdé Moussou Zalaki influence Zalaki ou bien, bon, puisque bon, de toute façon, tout le monde est partout, il y a des gens qui ont la campagne, il y a des gens qui ont tourné, mais il y a des gens prévisibles qui ont été faits. Est-ce qu'il fallait bosser sous congrès, bosser le budget pour le soir pour la. Bien sûr, je pourrais être retourner à l'école et pourrait être au transport, je ne sais pas. Dans le règlement d'ordre intérieur, il m'a mis chaque 5 ans tout ça à congrès. Donc, tu es obligé de passer par congrès, pour réaménager un petit peu le projet société Nabusso, et puis pour désigner officiellement comme un autre candidat. Donc, il fallait tout passer par un congrès. Bobimé, le congrès, il s'allait Mikolo Boni, est-ce que. Le congrès, il s'allait Mikolo Misato, tout le monde a la résolution ébélé, il y a un congrès. Entre autres, il y a qui suit la question de l'Angaï. Oui. Tout le monde, ça veut dire que tout présent Vital Kamere a un budget à 140 milliards de dollars pour relancer
l'économie à Congo, si jamais a eu une chance de passer comme président de la République. Donc dans 5 ans, a un budget à 114 milliards pour relancer Mboka Napisho. Mboka Napisho est tellement lassé, l'économie est vraiment très bas pour décoller Mboka, en tout cas, tout petit budget. Alors, on a puis, sur ça, dans le budget, on a tous allé, tous borné sur 20 piliers. 20 piliers pour propulser ma casse pour que Mboka ait un petit plus. Alors, on a budget, on a, est-ce que vous avez une cotisation, on a bien, on a une cotisation, on a une Mboka, on a une paya, puisque tu as dit que, bon, Mboka, c'était comme. Donc on a na ko marché monté to yebi ki ndambo ya ya katanga baba teka ona mutu boye ndambo ya mbushima ina mi baba teka ona mutu boye mais bijo ana eko uta wapi kaka ba nyongo tu sais pas mindele poto to kotina na période asika au lieu to banda ko lieu to profiter un petit peu na richesse na biso to ba besoin que ça siko ba nyongo ya mindele INC toujours lo basi la refondation de l'état donc déjà depuis 2010 la vision au président, à mon avis, déjà, à ça, le bilan, il y a Mboka, Mboka est parti. Il a pensé à la refondation de l'État. Ce qui est coquille, c'est le risque de refonder Mboka, en tout cas, pour réunir Mboka, ils allaient rien. Ils allaient rien, c'est-à-dire. Ils sont basés dans le domaine de nos sons, dans l'agriculture, dans la pêche, dans la minière, dans la maille, dans l'électricité. Dans le domaine Nyosu, tu s'est lancé pour que tu vois au coup de son moment. Mais c'est trop gourmand, puisque Nalanda est quand même présentation à budget, il y a un candidat Moussousou. Namona est que Bazaï est moins gourmand que Vital Kamer, et 140, alors que de l'autre côté, Namona est à 87 milliards, et pas Moussousou, Namona est 100 et des brouettes, mais il est directement 114 milliards. D'accord, c'est énorme. C'est pas trop gourmand. Mboka Napisho donne la richesse ébilée. Mais richesse non exploitée actuellement. Justement parce que. Mettons Yazo Kota, est-ce qu'il y a un contrat où le gouvernement en place a signé Nabapaya pour l'exploitation à minerai Très bien, tu y es où est-ce que tu peux cibler pour que tu recouvres ça à un moment. Mboka Napisho, ils allaient ébilés, mais ils ont un quota dans la poche à Batumusus. Parce que l'État, ils allaient fonder. Tout le monde qui même le pasteur et Koufou, qui met de l'eau, parce qu'il y a seul le même constat qu'au Congo, il n'y a pas un État. Mais surtout, ça pourrait être une refondation de l'État. Tant que tu peux refonder l'État, justice, économie indépendante, économie en Mboka, tu as la place là, franchement, là, tu peux couper ça facilement. Ils allaient trop gourmander, le peuple congolais il a beaucoup souffert, et Sengeli, la budget moko la bilan moko équitable pour que yakouka vraiment puisse se retrouver. En tout cas bino bande ko balandi na ebie koko sonini bozana yango pona ko lia pona ko tinda bana na classe pona ko zwa transport pona ko zomuke vital oyo bokoza na nango tous les jours le minimum vital na kata mo la mais donc pour ça la bino ezali pour ça na bisonyo évidemment même si tout ça et pas papaya tout ça là pour ça que bon un jour tous on appelle Mboka na biso mais par contre tu es très bien que batu oyo bino bozotie la mutema na ebite mingi bozali na komitungisa est-ce que mutu boye azali bino moko na sa mutema boyebi oyo ni bokopona soki ba mubulu ekozala te ndenge tozo kanisela yango tozali awa bongo na secrétaire fédéral monsieur Robert Biongo azali bongo secrétaire fédéral ya UNC France donc depuis combien de temps papa 2 ans Non, la secrétaire fédérale depuis le mois de mars 2018. Avant, on exerçait un rôle intérimaire parce que les titulaires ont été affectés dans Kinshasa, donc la service à budget, M. Didier Mpiana. Alors, on a remplacé qui est. On a remplacé qui est, ça fait une année. La secrétaire fédérale intérimaire, mais on a confirmé il y a maintenant 6 mois. Alors Tony Toyeba, lelo nazali na yo yozali awa na kombo ya Vital Kamerhe qui est leader ya opposition congolaise bozami mingi te na réseaux sociaux seulement madame
entre guillemets, future première dame, Tomoni, Azoka Bolabakaye, Azoka Bolabanini, est-ce que vous avez une décision vraiment maintenant, avec oui, sériorité, bah, œuvre, au binôme, ça, Nanino, ou alors, Bolobi, bon, voilà, politique, Nabiso, autre chose, là, Siko, Batou, Bandou, Nabiso, Nengue, ou Bandamboué. Il est vrai, la côté communication, tout bima bien banamilité tout ça là-bas œuvre hein. Ils ont bon la population ont bon mais toujours l'exemple n'a pas résolu vous avez exemple RTNC pourquoi vous ça là-bas œuvre sociale est-ce que RTNC vous les écoles que ça mais les autres ça les... non non les autres ça n'a pas réseaux sociaux dans les réseaux sociaux mais tout ça tout le monde la qui là ce que vous avez œuvre sociale à côté à internet est-ce que vous avez qui là la réseau là non non mais même pour là-bas tout bon des sur l'anda des tout l'anda qui a pas tout mais tout l'anda on a pas peut-être aussi on va pas là-bas Kinshasa mais bah toi pour te voir relayer information à qui non pas de souci maintenant franchement la partie bas action sur le ça là tu vois sur les réseaux sociaux puis vraiment là-bas œuvre sociale tout ça les amis ébélé tout là-bas œuvre sociale tout ça. Il n'y a pas que lui dans l'INC, dans le travail social, hein? Il n'y a pas que le président. Tout ça, bah, candidat député national ou candidat provincial, bah, ça va toujours ébélé à ébélé. Mais tout le monde dit que Vital Kamerhe, il a représenté dans l'OSIK, Azam Moutoumoko, tout ça surpris quand même, mais tout le monde est na Moïse Katumbi, na Félix Tshisekedi, na Muzito, na Bruxelles, na et puis na Ndebonabiso Jean-Pierre Bemba, bah sangani pour na masolo ya mboka. Mais mingi ya landa mutute hein, on dirait à Koka, enfin na coin na Emoko, est-ce que Bokonzango a diriger si réellement Aza élu Lelo a diriger quand on a point d'un moko. On a eu un bien moi. Vital Kamerhe, Aza a toujours n'a pas dit qu'on a eu. Na j'en fais tout le monde qui était, na marche tout le monde était. Ah là, dans ce cas-là, on a dans la réseau social bien été parce que sur lui, il était l'opposition. Il était l'opposition, où il y a Sika, où il y a. Tant la zone va marcher, Sika est il n'a pas, Sika va juste être à proposer. Tala va marcher, Nosso, Vital Aza est toujours présent. La marche tout Vital est toujours présent. Tout côté d'avoir marché à CLC, elle a dit toujours présent. Et Yemoko a organisé la marche là qui est toujours présent. Il était opposition à Oye Bandi, mais pour le candidat commun. Et Vital, il y a qui idée à Vital, tu as bien dit Eve Mazaïba à MLC, avant même Jean-Pierre Bemba à Bima, passer les réunions ensemble, par après Félix Yaye, par après Bandi comme ça, Baye, ils allaient toujours ensemble. Bien que Azalaki. Azalaki va chevalier. Alors, Lelo sans côté combo naïe, Tomoni na Jeanval, on a bien Bolobi, ba Komi, ba Lobeli, que non, na Bruxelles, il y a tous les ténors de l'opposition politique. Oui. Mais est-ce que Bazalaki va en nous? Non, Bazalaki va en nous sauter. Dans mon acquis, Martin Fayoulou, Azalaki, professeur Matumoulou, Azalaki, au moins, Oyo Bazalaki, va représenter mon pays, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a d'autres réunions sur Salamé Nakin, il y a d'autres réunions sur Salamé Nakin. Mais oui, mais il fallait que. Caméra à la guité, mais quand même, tu as adopté, il y a des gens qui sont venus dans la réunion. Là. Mais tant que tu as Bruxelles, les gens qui paient pour permettre Moïse, quand tu as Pékissi, à participer à la réunion, à payer sa paix à Vinae, ils ont la va par téléphone. Te. Mais ce qui a été, les longs à lundi, ce qui t'a suivi au lundi, na lundi, M. Martin Fayoulou, à l'obi, on y a ce salana, ils ont mascarade. Et donc, il n'y a pas d'opposition dans Nino. Il n'y aura jamais un candidat unique pour l'élection présidentielle prochaine. Est-ce que vous en avez Vinae? Naza a finalité parce que ce qui a yaki dans les présents dans la réunion, on va faire le phrase dans le bidet. C'est parce qu'il y a dans la réalité, on va le contraire. Bissot, jusqu'à preuve des contraires, nous avons compté sur l'unité de l'opposition. Ça veut dire que. Il y a donné... l'unité d'opposition qui n'existe pas. Bon, ça n'engage que lui. Ça n'engage que lui. Bissot, jusque-là, nous avons compté sur l'unité de l'opposition. Donc, tu ne conclues jamais qu'il n'y a pas d'élection à l'ordre dispersé. C'est pour cela, nous avons la réunion de gauche à droite, tous à la Bruxelles, tous à Paris, tous à la Reims, tous à partout, tous à pour le cas unité et opposition. Pour que tu aies un candidat Moko cette fois-ci dans la présidentielle. Alors, pour que tu aies un candidat Moko, dans ce jour, je me rappelle, où il est en 2011. Voilà, donc, nous sommes tous rangés derrière Tshisekedi Tshilombo, de manière à ce que. Mais, on dit vraiment qu'il y a un balot aussi. Mais, nous sommes rendus en 2011, pas 2018. Parce que Makamosa en 2011, il est même Makamosa en 2018.
Non, on est regardé en 2011, tu effaces, tu oublies, ce qu'on a en 2018. Entre 2011 et 2018, tu suis quand même, tu sais quand même parcours et puis tu suis expérience. Tout le monde qui est bon, voilà, d'abonner et qui, voilà place ni bébaki, voilà place ni l'équipe positif ou négatif. Et par rapport aux conclusions qui n'ont, surtout que tu perdas qui en 2011, c'est parce que tu n'as qu'à l'ordre à disperser. Conclusion, cette fois-ci, faut que la candidat Moko pour que tout le monde gagne l'élection. Mais on dit mieux que l'élection Rosala, déjà. Bon, élection Rosalate et Rosalate, la figure au besoin de l'acceptation de l'eau, ils ont un peu difficile pour l'élection Rosalate et Rosalate. Dans les sens déjà, un, c'est qu'il fallait que ça soit un bon moment pour encaisser le gouvernement. Côté de ceux qui ont été battus. Sans la machine à voter. Ceux qui machine à voter, ils allaient, tu vois qu'il n'a dit. Bah, moi, bah, lobby, j'espère, bah, t'as là qui est dans ma fichier, dans ma fichier, déjà, il y a au moins plus de 6 millions d'électeurs fictifs, bah, t'as qui va prendre digitalité. Ils ont représenté facilement déjà 16% de la population. Alors, comment vous voyez que l'élection, nous avons dit que nous avons 16%. Donc, dans ce cas-là, en tout cas, ceux qui toquent les machines à voter, pour le moment, les candidats fictifs ont été, et puis, tout le monde est à l'étranger, ils ont été voter, en tout cas, ils ont été difficiles. Parce que, on va obtenir la machine à voter pour gagner, à voler pour gagner, mais ils ont obtenu une note, une élection transparente et crédible, tout le monde est machine à voter, ceux qui ont affiché la canaille, ou elles allaient avec un peu leur bougeté. Dans ce cas-là, je crois que l'élection. D'alors, Bandeko, Oyo, Bozana, en opposition, bon, à l'opinion, Nézana, Ezali, Bazo, c'est basé sur machine à voler, Nézo Bengango, et puis sur le 16%, et puis pour un retour, il y a Obazan en étranger, pour la libération, au fait, encore à Saint-Sylvestre, et donc il faut respecter Tango, Obazan emprisonné, Kuna, il faut libérer Bambabino, Touana, Ezali, Bozo, Benda Makambu en longueur, de manière à maintenir Kabila na pouvoir, puisque Mingi Bazana autour de la table aujourd'hui, c'est-à-dire ce sont des gens qui, ce Kabila a souhaité, bon, on l'a souhaité. Et là, nous allons répondre à la demande de Kobazo Kansanemwana. J'ai pas bien compris la question. Et c'est-à-dire que Bozo Benda Makambu en longueur, de manière à ce que bon maintenir Kabila, puisque ce qui est l'élection, maintenir Kabila en longueur, c'est votre gouvernement. Mais si tu as vraiment le 23 décembre, à Koko aussi, ce mandat n'a rien. Déjà, mandat, c'est cela déjà. On a déjà hors mandat. Tu as au moins le 23 décembre, à celle-ci, tu sais, c'est Marmonioso, à Kéib, il est chez lui, tu as proclamé, tu as gagné, à Kouyou, tu as gagné, pour que tu aies gagné, pour que tu aies gagné. Mais si tu as gagné, tu as gagné, et donc, les lots, ceux qui sont candidats uniques, ils ont réussi dans la formation politique, ils ont dit vraiment que Kamere a osé Simanaï. Le président a toujours dit, ils sont très flexible que ceux qui sont au vendu la table, tu prends candidat à combattre la campagne, ceux qui sont alliés, tant mieux à battre la campagne en tant que président de la République, ceux qui sont alliés, Félix, tu peux soutenir Félix. Ceux qui sont allés XY, ceux qui sont allés Moutou, ou Yabouza Liboso, ok, la carte à regroupement, la chose pour désigner, tout ça très flexible, il y a pour soutenir le candidat. Donc pour soutenir vraiment pour soutenir le candidat à 100% parce qu'on a de l'expérience. On a de l'expérience, tout perdant en 2011. Pour soutenir avec espoir que beaucoup pouvaient l'emporter. Eh bien sûr, pourquoi pas. Ceux qui sont soutenus, ça veut dire que tu peux redirectionner les militants, tout verrier, tu peux tirer les moyens en disposition à candidat pour qu'il y ait pour combattre la campagne dans les bonnes conditions.